Alors que Trump et l'alt-right ont su faire du net et de la culture même une arme politique redoutable, les anti-Trump s'éclatent eux aussi à moquer leur ennemi à grands coups de Photoshop ou carrément en chair et en carton, comme ici à la Dumb Trump Protest d'août dernier à London. Quand la politique embrasse le lol, elle devient lolitique. Avec Our Cartoon President, série animée diffusée sur Showtime et produite par Stephen Colbert, on suit l'actualité trumpienne au plus près. John, I need to win the election. You need to create a problem that only you can solve. A massive Hillary Clinton robot of unknown origin continues to grip the country. Le producteur animateur s'éclate à faire interagir ses différentes plateformes en interviewant par exemple dans son late show son Trump animé pour lui faire redire ses déclarations exactes, quotes en VO. So I deal with foreign countries and despite what you may read, I have unbelievable relationships with all the foreign leaders. They like me, I like them, you know, it's amazing. Dans l'hyper prolifique production sérielle actuelle, le lolitique débarque parfois là où on ne l'attend pas, comme par exemple depuis septembre, dans la 9e saison de la très drôle série Shameless diffusée sur Showtime. Frank Gallagher, le père le plus white trash d'Amérique, remixe le MAGA trumpien Make America Great Again en Make America Gallagher Again. Du coup, il s'engage pour le candidat très blanc et très à droite Mo White, ce qui nous a valu, en plus de ses habituelles embrouilles top loose, des t-shirts d'une très grande lolerie. We're fighting for the underrepresented Caucasian male. I think you're on the wrong side of history on this one. Totalement étrangère, voire allergique à la volonté hyper réaliste, documentée, référencée des séries politiques comme House of Cards, Designated Survivor et autres Madame Secretary, VIP, la plus drôle des comédies US depuis 6 saisons, et Julia Louis-Dreyfus, la plus drôle des comédiennes américaines depuis 20 ans, seront bien de retour en 2019 pour une 7e et dernière saison sur HBO. Génial de mauvais esprit, de vulgarité et de malhonnêteté intellectuelle dans son rôle de Selina Meyer, la pire vice-présidente que l'Amérique n'ait jamais connue, Julia Louis-Dreyfus a eu 6 Emmy Awards comme meilleure actrice comique pour les 6 saisons de la série. Cette VIP et son équipe redéfinissent à chaque ligne de dialogue le politiquement incorrect. Did your boyfriend know anything about this? I was trying to use Jonah for intelligence. That's like trying to use a croissant as a fucking dildo. I thought that... No. Let me be more clear. It doesn't do the job. And it makes a fucking mess.